en cette nuit de la 27e année du règne de l'empereur Auguste. 1850 ans après l'arrivée d'Abraham en cette contrée où nous nous trouvons, le pays de Canaan. 1250 ans après l'exode de Moïse et des Hébreux hors d'Égypte. Une étoile apparut dans le ciel. Il est écrit que 1000 ans après le règne de David, ses descendants donneront naissance au Messie, sauveur du peuple d'Israël et fils de Dieu descendu sur terre. Cette année-là, un ange fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une jeune fille nommée Marie et qui était fiancée à Joseph. L'ange lui annonça la naissance de Jésus. Que la joie emplisse ton cœur, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Sois sans crainte, Marie. Mais êtes-vous un ange, un messager de Dieu? Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Cet enfant sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Me voici. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il m'advienne selon ta parole. Telles furent mes paroles, et tel fut ce qu'il advint. D'abord, je ne compris pas, mais j'eus un songe. Joseph, Oui. Ne crains pas de prendre chez toi Marie. Aie confiance, Joseph. Elle est enceinte. Cet enfant est du fait de l'Esprit Saint. Tu l'appelleras Jésus. Jésus. Quelquefois, j'ai peur. La tâche qui nous a été confiée est tellement grande. Pourquoi nous? Qui suis-je pour porter en moi la promesse de Dieu? Ainsi, accueilli par les bergers de Bethléem, naquit un petit enfant, Jésus. Des mages, venus d'Orient, guidés par l'étoile de Jésus, vinrent se prosterner et l'adorer. La mémoire des antiques prophéties, inscrites dans les livres sacrés du peuple d'Israël, fit penser à certains sages, tels Siméon et Anne, que l'enfant nouveau-né était destiné à devenir roi. La nouvelle arriva jusqu'à Hérode, qui à cette époque régnait sur la Palestine. Hérode ne pouvait tolérer qu'il puisse y avoir un autre roi que lui. Il ordonna donc la mort de l'enfant. Pour s'assurer que l'enfant roi ne puisse échapper à son courroux, il ordonna que tous les enfants nés à Bethléem à la même époque fussent tués. Joseph, Joseph. Heureusement, un ange avait prévenu Joseph et Marie qui s'étaient immédiatement enfuis vers l'Égypte avec Jésus. Ils y restèrent jusqu'à la mort d'Hérode. Devenu adolescent, Jésus fut conduit par Marie et Joseph au temple de Jérusalem. À la stupeur des docteurs du temple, il sut répondre à toutes les questions posées sur la parole de Dieu. Les années passaient, et Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Il était devenu un homme, et le secret qu'il cachait fut enfin révélé au monde. Pourquoi es-tu venu à ma rencontre? Nous devons accomplir la volonté de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. Qui était cet homme que tu craignais de baptiser? J'ignore qui il était. Mais Dieu m'a dit, tu verras l'Esprit descendre des cieux et se poser sur un homme. Ce sera cet homme qui te baptisera dans l'Esprit Saint. Eh bien? J'ai vu l'Esprit Saint descendre sur lui et je peux vous affirmer que Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu. Pourquoi ne l'as-tu pas suivi? Parce que Dieu m'a envoyé avant lui pour lui ouvrir la voie. Je ne suis pas le Messie. C'est Jésus qui jouera le premier rôle. Moi, je vais m'effacer.
Que va-t-il advenir de nous ? Il faut que nous vérifions s'il s'agit bien de lui. Le Seigneur semble avoir choisi des chemins différents pour nous. Bonne route et adieu, mes amis. Pendant que Jean-Baptiste continue sa mission et prêche l'abandon du péché et le baptême de la pénitence aux foules qui le suivent, Jésus revient du Jourdain. Il est alors conduit par l'Esprit dans le désert, où il jeûne et prie, et où il est tenté par Satan pendant 40 jours. On dit à ces pierres de se transformer en pain. Il est écrit, ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais Satan le tente encore. Que veux-tu de moi ? Regarde autour de toi. N'aie crainte et regarde autour de toi. Allez ! Tu es le Fils de Dieu, n'est-ce pas ? Alors dans ce cas, jette-toi du haut du pinacle du temple. Jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent. Et les écrits ajoutent que ses anges protégeront donc chacun de tes mouvements. Sur leurs mains, ils te porteront de peur que tu ne heurtes du pied quelque pierre. En vérité, je te le dis, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Toi, alors, on se retrouve encore. Oui, en effet, je voudrais te montrer quelque chose. Vois-tu tous ces fastes ? Vois-tu tout ce pouvoir ? Tout ce que tu vois m'appartient. Tous les royaumes du monde sont à moi, mais je te les donnerai. Tout ce que tu dois faire, c'est t'agenouiller devant moi. Alors, toutes ces richesses seront à toi. Arrière, Satan ! Car il est écrit... que tu ne vénéreras que le Seigneur, ton Dieu. Lui et lui seul. Lui et lui seul. Hérode le tétrarque, à qui Jean faisait des reproches au sujet d'Hérodiade, femme de son frère, et au sujet de toutes les mauvaises actions qu'Hérode avait commises, en ajouta une à toutes les autres, celle d'enfermer Jean dans la prison. Et quand Hérodiade lui demande la tête de Jean, Hérode s'exécute. « Il te suffit de le demander. Tout ce que tu désires. »« Je veux la tête de Jean le Baptiste. Oh. » Apportez-nous du vin ! Oh, eh bien, je suis navré, mais voilà, il n'y a plus de vin. Jésus, ils n'ont plus de vin. Par ici. Je vois 6 grandes jarres là-bas. Remplissez-les d'eau et portez-les ici. Mais Jésus, ces jarres ne contiennent pas du vin, mais de l'eau. Faites ce que je vous dis. C'était grossier et injuste envers vous. En général, les gens servent le meilleur vin au début des festivités. Et ensuite, quand tout le monde est un peu ivre, ils servent le plus mauvais vin. Mais toi, tu as fait le contraire. Merci, c'est le meilleur vin que j'ai jamais goûté. Jésus prêche l'évangile depuis un certain temps. Il se déplace à pied ou à dos d'âne. Il prêche dans les synagogues de Galilée et il annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Plusieurs croient en lui et le suivent pour l'écouter parler. Il l'appelle « Rabbi », ce qui signifie « maître ». Que le Seigneur guide vos pas. Après la mort de Jean-Baptiste, quelques-uns de ses disciples suivent Jésus. Parmi ceux-ci, il y a André, le frère de Simon-Pierre. C'est lui qui a parlé de Jésus à Simon-Pierre et qui lui a dit « Nous avons trouvé le Messie, comme Jean l'avait annoncé ».
Ensuite, il la conduit immédiatement à Jésus. Philippe, un autre disciple, disait aussi « Nous avons trouvé en lui ce que Moïse et les prophètes ont écrit. C'est lui, Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Loué soit Hachem, le Tout-Puissant. Loué soit l'alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Loué soit l'Éternel qui nous enverra le Messie, l'élu qui ramènera la paix sur Israël. Qui souhaite faire la prochaine lecture? Mais tu es étranger à cette synagogue. Non, Rabbi, je ne suis pas un étranger. Vous m'avez peut-être oublié, je suis le fils de Joseph, le charpentier. Mais oui! On m'a dit que tu étais à Capharnaüm, que tu avais même des disciples. Tiens, lis. Je vais lire les mots du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Tout-Puissant est sur moi, car il m'a donné l'onction. Il m'a envoyé porter la nouvelle aux pauvres, panser les cœurs meurtris, annoncer aux captifs la délivrance, rendre la vue aux aveugles, libérer l'opprimé et proclamer une année de grâce du Seigneur. Que se passe-t-il? Pourquoi ce silence? Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles cette prophétie. Aujourd'hui, au moment où vous écoutiez ma voix, l'Esprit du Seigneur est descendu sur moi, il m'a oint, afin d'inaugurer des temps de miséricorde, une année de grâce pour notre peuple. Louons le Seigneur, c'est le fils de Joseph, prophète. Comment peut-il tenir de tels propos? Cela équivaut presque à blasphémer! Je vous comprends. En vérité, je vous le dis, nul n'est prophète en son pays. D'une provocation, c'est un blasphémateur! Est-ce qu'ils se disputent? Oui, parce qu'ils n'ont pas cru ce que leur a dit Jésus. Ce n'est qu'un jeune rabbi à l'esprit fragile. L'étude lui est montée à la tête et il se prend pour ce qu'il n'est pas. Chassons-le! Qu'il sorte! Femme, pourrais-tu me donner de l'eau? Tu es juif et tu m'adresses la parole? Oui, il fait très chaud et j'ai très soif. Bien, personne ne doit avoir soif. D'où es-tu? Je suis de Nazareth. Quoi? Et tu demandes à une Samaritaine un peu d'eau? Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui t'a dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui l'aurais prié, et il t'aurait donné de l'eau vive. Comment aurais-tu puisé l'eau? Tu n'as même pas une jarre, et le puits est profond. Le Très-Haut a offert ce puits à Jacob, notre père, qui à son tour nous l'a donné, alors... Alors qui es-tu pour prétendre être plus grand que Jacob? Tu ne me crois pas, n'est-ce pas? Je te le dis, quiconque boira de cette eau connaîtra de nouveau la soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui offrirai sera en lui une source jaillissante de vie éternelle. Si tu as vraiment de cette eau, alors donne-moi un peu, afin que je n'ai plus jamais soif et que je n'ai plus à venir tous les jours ici pour puiser, je t'en prie. Si tu veux de cette eau, va-t'en, retourne chez toi et reviens ici avec ton mari. Mais je n'ai pas de mari. Mais tu as eu 5 maris jadis, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Je le sais. Mais comment le sais-tu? Comment sais-tu que j'ai eu 5 maris? Tu dois être un prophète. Le temps est venu pour les vrais fidèles du Seigneur de l'adorer par l'Esprit et toujours en vérité. Maître, tu me parles, moi une Samaritaine, comme si ton message était celui du Tout-Puissant. Seul le Messie parlerait, comme tu l'as fait. Tu es celui qui nous apporte la bonne nouvelle. Ma sœur, tes paroles sont justes. Je suis celui qu'Israël attend depuis toujours. Non! N'amassez pas votre trésor sur la terre, où les vers et la rouille le détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez vos trésors dans le ciel, car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur.
Jésus. Tes péchés sont pardonnés. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais pour qui se prend-il? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? Maintenant, vous savez que le Fils de l'homme a le droit de pardonner les péchés sur la terre. Quant à toi, je te le dis, lève-toi, prends ton lit et retourne dans ta maison. Mes jambes, je sens mes jambes. Viens. Il marche. Regardez, il marche. Maître! Maître, enfin, je vous ai trouvé. Je suis dévoré par un feu terrible. Ma douleur est sans fin. Le mal consume ma chair. Maître, pitié, soignez-moi, je vous en supplie. Ainsi soit-il. Va, tu es purifié. Oh, Seigneur. Oh. Oh, maître, je ne... Silence. Écoute, ne dis rien de tout cela à personne. Oh. Mais rejoins le monde et va te montrer au prêtre. Et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Oh. De cette façon, tout le monde verra ta guérison. Et tu pourras vivre auprès des hommes sans être rejeté. Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez consolés. Heureux vous serez lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'ils vous chasseront, et vous persécuteront et rejetteront votre nom à cause du Fils de l'homme. Jouissez-vous en ce jour-là, tressaillez de joie. Votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que les hommes agissaient à l'égard des prophètes. Mais je vous dirai aussi, malheur à vous, les riches, car vous avez déjà reçu votre récompense. Hein? Malheur à vous qui êtes rassasiés maintenant, car vous connaîtrez la faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car le temps viendra où vous serez dans le deuil et les larmes. Malheur à vous. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Ne l'empêche pas de prendre ta tunique. Aime ton ennemi. Fais le bien. Prête sans rien espérer en retour. Alors, ta récompense sera grande. Tu seras le fils du Très-Haut. Car il est bon même pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux. Comme votre Père est miséricordieux. Heureux soient les pauvres. Heureux soient ceux que l'on persécute. Heureux soient les malades. Heureux soient ceux qui souffrent. Un homme avait deux fils qui l'aidaient aux travaux des champs. Il travaillait dans la paix et la fraternité. Mais un jour... Père, je veux changer de vie. Je veux voir le monde. Manques-tu de quelque chose? N'es-tu pas heureux ici? Si, mais je veux être plus heureux encore. Je veux être libre. Qu'y a-t-il? N'es-tu pas libre ici? Père, rien de ce qui est ici n'est à moi. La terre n'est pas à moi. Les vignes ne sont pas à moi. Donne-moi la part de fortune qui me revient. Je veux vivre comme je l'entends. Le père ne comprenait pas pourquoi son fils quittait le confort de sa maison.
Mais il partagea son bien entre ses deux fils. Peu de jours après, rassemblant tout son avoir, le plus jeune fils partit pour un pays lointain. Le jeune homme commença à vivre une vie indisciplinée. Qu'une famine sévère survint en cette contrée. Les récoltes étaient mauvaises. Il n'y avait plus d'eau. Oui, qu'est-ce que tu veux? Je n'ai plus rien à manger. Très bien, va nettoyer ma porcherie. Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance et moi je suis ici à périr de faim. Je veux aller vers mon père. Père, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Vite, lavez-le. Apportez la plus belle robe et habillez-le. Vite, amenez le veau gras. Tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Festoyons. Que se passe-t-il? Réjouis-toi, mon fils. Ton frère est revenu. Nous allons manger le veau gras. Voilà tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé un seul de tes ordres. Je le sais, fils. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau à moi pour festoyer avec mes amis. Et puis ton fils que voici revient après avoir dévoré son héritage et tu fais tuer pour lui le veau gras? Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi, tu le sais. Cependant, il faut bien festoyer et se réjouir puisque ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Si tu veux être juste et bon, il ne suffit pas de ne pas faire le mal. Il faut faire le bien. Est-ce que tu comprends, Joël? Vas-tu encore dire que tu n'as plus de fils? Prenez garde quand vous jugez les autres, car Dieu vous jugera de la même manière. Mais j'ai été lésé dans cette affaire! Commettre une deuxième injustice n'arrangera rien. Quoi? Eh bien, vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de tendre l'autre joue à celui qui vous a giflé. Oh, c'est absurde! Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère? Ne remarques-tu pas la poutre qui est dans le tien? Soyez d'abord certain que votre propre comportement est irréprochable, avant de vous permettre de juger les autres. Avez-vous entendu ce qu'il a dit? Ce n'est pas ce qui est dit dans la loi de Moïse! Je ne suis pas venu pour abolir la loi de Moïse, mais pour l'accomplir. Je vous apporte un nouveau commandement. Aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs. Qu'est-ce que ça signifie? Si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quel mérite avez-vous? Et si vous ne prêtez de l'argent qu'à ceux qui vous rembourseront sûrement, comment Dieu pourrait-il être fier de vous? Maintenant, Jésus est en Galilée. Il visite des villes et des villages au bord du lac de Génézareth. Il annonce le royaume de Dieu. Il voit beaucoup de gens très pauvres, des gens qui ne mangent pas souvent à leur faim. Oh, Seigneur! Laisse-moi t'accompagner. Simon, avance en eau profonde et jette tes filets. Mais, Rabbi, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Simon, fais ce que je te dis. Simon? Qu'y a-t-il? Ne me dis pas que tu as perdu la foi en notre Seigneur. Maître,
Les villageois sont tous affamés, et leur foi, aussi grande soit-elle, ne remplira pas leurs estomacs vides. Le Seigneur sait ce dont tu as besoin. Ne sois pas si inquiet de ce que tu vas manger, de ce que tu vas boire, ou avec quoi tu vas te vêtir. Le plus important, c'est de rechercher le royaume de Dieu, sa droiture. Relève les filets. Il y en a tant. Salon, jamais de toute ma vie je n'ai vu autant de poissons. Maître, nous avons tous décidé de te suivre où que tu ailles. Suivez-moi. Désormais, vous serez des pêcheurs d'hommes. Oh. Et qui est-il ? Abdal. Faites venir Abdal sur le champ. Abdal, dis-nous ce que dit cet homme et ce qu'il fait. Oui, sire. Eh bien, à Jéricho, il a redonné la vue à un aveugle. À Capharnaüm, un paralytique a remarché grâce à lui. Il lui a dit « Lève-toi et rentre chez toi ». Et alors, dis-nous ce qui s'est passé. Le jeune garçon s'est levé tout de suite, a pris sa civière où il gisait auparavant, et il est rentré chez lui en louant le Seigneur. On raconte que lors de la célébration d'un mariage à Cana en Galilée, il a transformé 6 jars d'eau en vin. Il s'est souvent rendu à Jérusalem et à chaque fois, il a accompli d'incroyables miracles. Il a eu des témoins pour chacun de ces miracles. Moi-même, j'ai assisté à l'un d'entre eux. Eh bien, dis-moi, à ton avis, qui est cet homme ? Il se fait appeler Jésus, Jésus de Nazareth. Mais beaucoup l'appellent maître. C'est un rabbin, un homme juste. Il a été envoyé en Israël par Dieu. Bien. Je vais te dire qui se cache derrière ce nom. C'est Jean le Baptiste. Il est revenu à la vie. Absurde. Et toi, Valérie, qu'en penses-tu ? Un homme qui a eu la tête coupée ne peut en aucun cas revenir à la vie. C'est juste. Majesté, vous souvenez-vous de ce que disait Jean le Baptiste ? Non, que disait-il ? Qu'il serait suivi par un homme beaucoup plus puissant que lui. Et que sa mission était de lui préparer la voie. Jean le Baptiste serait suivi par le Messie d'Israël. Voilà ce que croit le peuple. Ce sont des sornettes ! Mais le peuple, lui, pense le contraire. Peu importe qu'il soit ou ne soit pas vraiment le Messie, le peuple le croit, voilà la seule chose importante. Et nous devons en tenir compte. Nous et les sages qui dirigent le temple. Et toi aussi, Hérode. Maître, maître, réveille-toi! Tu ne te soucies pas de ce que nous périssions? Aviez-vous peur de perdre la vie ? Oui, maître, nous avions peur. N'avez-vous pas de foi ? Notre foi est encore faible. Le temps est venu de mettre à l'épreuve ses disciples les plus fidèles, afin qu'ils deviennent les apôtres du royaume de Dieu. C'est-à-dire les témoins du Messie, il est nécessaire qu'ils aillent eux aussi vers le peuple, comme leur maître, pour annoncer le salut. Simon ? Simon, lève-toi, il faut partir. Jean ? André ? Jacques ? Philippe ? Barthélemy ? Thomas, Matthieu,
Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélé, Judas Iscariote. Maître, pourquoi nous as-tu appelés ? Le moment est venu. Je vais vous envoyer loin d'ici, sur les routes de Palestine, pour proclamer le royaume de Dieu. Mais Seigneur, les gens ne nous écouteront pas. Faites comme vous m'avez vu faire, et répétez tout ce que je vous ai appris. Nous ignorons comment ressusciter les morts, ou apaiser les tempêtes, ou... Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons, donnez sans attendre de récompense. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie avec vous. De quoi vivrons-nous ? Quelle que soit la ville ou le village où vous entriez, faites-vous indiquer quelqu'un d'honorable. Et demeurez-y jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle ne l'est pas, que votre paix vous soit retournée. Que faire si on nous chasse, Seigneur ? Si quelqu'un ne vous accueille pas, n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. En vérité, je vous le dis, au jour du jugement, il y aura moins de rigueur pour le pays de Sodome et Gomorre que pour cette ville-là. Thomas, je t'en prie, n'aie pas peur. Philippe, celui qui te reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui donnera à l'un d'entre vous un peu d'eau fraîche parce qu'il est mon disciple. En vérité, je vous le dis, il méritera pleinement sa récompense. Allez en mon nom, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père parlera en vous. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Montrez-vous donc prudent comme les serpents et candide comme les colombes. Et toi, Simon, fils de Jean, ton nom sera Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Où nous rencontrerons-nous, maître ? Je vous attendrai. La foule suit Jésus dans tous ses déplacements. Où qu'il aille, une multitude accourt. Ses paroles sont nouvelles, paroles de vie éternelle que le peuple d'Israël n'a jamais entendues. Les gens l'acclament comme le Messie et croient qu'il est envoyé par le Très-Haut pour le salut et la libération de son peuple. Ils attendaient le Messie depuis des siècles. Voici que le semeur est sorti pour semer. Et comme il semait, une partie du grain est tombée le long du chemin. Les oiseaux sont venus et ont tout mangé. Une autre est tombée sur le terrain rocheux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Et aussitôt, elle a levé. Et lorsque le soleil s'est levé, elle a été brûlée. Et faute de racines, s'est desséchée. Une autre est tombée dans les épines. Et les épines ont monté et l'ont étouffée. D'autres sont tombées dans la bonne terre et ont donné du fruit. Entende, qui a des oreilles pour entendre? Maître, pourquoi parles-tu toujours en parabole ? Qui de vous a compris cette parabole ? La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont au bord du chemin sont ceux qui ont entendu, mais qui ne comprennent pas. Sont ceux qui accueillent la parole avec joie quand ils l'ont entendue, mais ceux-là n'ont pas de racines et ne croient que pour un moment. Ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui ont entendu, mais les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie les étouffent. Et ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, la retiennent et portent du fruit. Il en va du royaume des cieux comme d'un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Il a semé à son tour de l'ivraie au beau milieu du blé et il s'en est allé. S'approchant, les serviteurs lui dirent « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ?» Le maître leur dit « C'est quelque ennemi qui a fait ça. Laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson, et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, ramassez d'abord l'ivraie et liez-la en bottes que l'on fera brûler. Quant au blé, recueillez-le dans mon grenier. »
Maître, explique-nous la parabole de l'ivraie. Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les sujets du royaume. L'ivraie, ce sont les sujets du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Il en sera ainsi à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui ramasseront de son royaume tous les scandales et tous les fauteurs d'iniquité et les jetteront dans la fournaise ardente. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Mais de nombreuses personnes aiment et suivent Jésus. Ils sont les témoins non seulement de sa parole, mais aussi de son autorité divine. En effet, le Maître guérit les malades, chasse les démons, purifie les lépreux et lit dans le cœur des hommes et des femmes qui viennent lui parler. C'est un miracle ! Je suis guéri ! Je suis guéri ! Le commandement le plus difficile est aimer Dieu, aimer son prochain et prier pour ses persécuteurs. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? Que votre main gauche ignore ce que fait votre main droite, afin que votre aumône soit secrète, et votre Père, qui voit dans le secret, vous le rendra. Lève-toi et marche. Quand arrive le soir, après des jours et des jours de marche en compagnie de ses disciples et de la foule, Jésus multiplie le pain et le poisson pour eux. Ainsi, 5 pains et 2 poissons sont suffisants pour rassasier 5000 personnes. Quand on regarde le monde d'ici, c'est comme si personne n'existait, à part nous, rassemblés devant Dieu, pour prier. Quand tu vas prier, ne sois pas hypocrite, comme certains qui vont à la synagogue afin d'être glorifiés par les hommes. C'est ton Père qui doit te voir et t'entendre, pas les hommes. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant haut et beaucoup, ils se feront mieux écouter. Ne faites pas comme eux, car votre Père sait bien ce qu'il vous faut, avant que vous le demandiez. Maître, apprends-nous à prier. Quand vous prierez, vous direz ces mots. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Allez-vous-en, les enfants. Allez, oust! Attendez. Laissez-les tranquilles. Le royaume des cieux est à eux. Quiconque n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant ne pourra point y entrer. Et quiconque se fait petit comme cet enfant deviendra le plus grand dans le royaume de Dieu. Rabbi, juste une question. Il y a certaines choses que tu dis que nous avons du mal à comprendre. On m'a rapporté que tu as dit qu'il était illégal pour un homme de quitter... Oui, je l'ai dit. Vous n'ignorez sans doute pas... Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Et il dit, l'homme quittera son père et sa mère. Et l'homme s'attachera à sa femme, ainsi ils ne deviendront qu'un. Ils ne seront plus deux, mais une seule chair. C'est pourquoi l'homme ne peut séparer ce que le Tout-Puissant a uni. Mais pourtant, Moïse a permis l'acte de répudiation. Il autorise à l'homme, s'il le souhaite, de renvoyer sa femme. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis cela. Mais je vous le dis, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Quelle arrogance ! Tu penses être supérieur à Moïse ? Est-ce que vous avez entendu ? Je ne suis pas venu pour abolir les lois de Moïse, mais pour les accomplir. Tant qu'il y aura le ciel et la terre, pas le plus petit mot, la moindre virgule de la loi divine ne sera altérée.
Mais c'est du pur blasphème. Quelle audace! Comment peux-tu oser parler au nom de Dieu? Dis-nous pourquoi tes disciples ne se purifient pas avant de rompre le pain. Je sais qu'ils ne se lavent pas les mains, ainsi que le rituel l'exige. Écoutez-moi et comprenez. Il n'est rien qui du dehors entre dans l'homme, qui puisse contaminer son cœur ou le rendre impur. C'est ce qui sort du cœur ou de la bouche de l'homme qui le rend impur. Méchanceté, ruse, violence, massacre, voilà ce que l'homme fait de ses propres mains. Trahison, vol, meurtre, ces fautes ne sont pas l'œuvre de ses mains sales. Bien, faut-il nous laver les mains ou non? Bien sûr qu'il faut vous les laver. Mais si vous êtes méchant, vous resterez le même. Vous avez entendu? Il n'a aucun respect pour nous. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Malheur à vous, car vous fermez aux hommes la porte du royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Viens dehors, a-t-il dit, et celui qui était mort est sorti de son tombeau. Impossible. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ramener un mort à la vie. Si nous le laissons continuer d'agir, tout le monde croira en lui. Et que se passera-t-il? Les Romains viendront et ils supprimeront notre nation. Vous n'y entendez rien. Vous ne songez même pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière? Caïphe, que proposes-tu? Toute personne sachant où se trouve Jésus doit le signaler au temple. C'est un ordre. Faites-le circuler. Il est arrivé, le voilà! C'est lui! Oui, le voilà! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Maître! Quel est le premier des commandements? Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Le second commandement est celui-ci. Aime ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Et j'agirai selon tes dires, maître. Tu t'approches du royaume de Dieu, jeune Tobias. Oh. Hélas pour les scribes et les pharisiens. Hypocrites! Ils sont tels des tombes blanchies, d'aspect noble à l'extérieur, mais remplies d'ossements humains et de toute forme de corruption à l'intérieur. Vous l'avez entendu, il est en train de nous insulter! Il faut le mettre en difficulté devant le peuple. Maître, est-il admissible de payer des taxes à César ou non? Montre-moi une pièce. Hein? Qui représente cette tête? C'est la tête de l'homme qui est César, l'empereur Tibérius. Alors je te réponds, rends à César ce qui appartient à César et à Dieu. Mais... ce qui appartient à Dieu. Venez avec moi, je vais prier mon père. Pierre? Oui, maître. Pourquoi un bon Israélite se rend-il au temple? Pour prier. Et que vois-tu au lieu de ça? Je vois des gens qui jouent aux dés, des marchands et des changeurs qui arnaquent le peuple. Non! Mon argent! Partez! Partez d'ici! Selon les saintes écritures, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs! C'est par là. C'est le signal. Cela veut dire qu'ils vont bientôt ouvrir les portes de Jérusalem.
devons préparer cette affaire avec beaucoup de prudence. Il a beaucoup trop de disciples maintenant, c'est dangereux. Il a fait marcher un paralytique à Capharnaüm et la foule entière l'a acclamé. À Jéricho, il a redonné la vue à deux aveugles devant une foule immense. Sur le lac de Génézareth, il a multiplié le pain et les poissons et a donné à manger à 5000 personnes, à Bethsaïda, à Cana, à Samarie. Partout où il va, il accomplit des miracles. Il parle et la foule croit tout ce qu'il dit. Il faut agir et vite. Et vous voulez arrêter Jésus, je vous le livrerai. Comment feras-tu? Je sais où il va passer la nuit et il sera seul. Dans ce cas, il faut mettre nos soldats en alerte. À combien s'élève ma récompense? Au prix d'un esclave, Judas. Ce n'est pas assez. Judas, tu recevras 30 pièces d'argent et toute notre gratitude. Maître, le repas est prêt. J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant que mon heure n'arrive. Maître, dis-moi, pourquoi fais-tu cela? Seigneur, je ne peux permettre que tu me laves les pieds. Si je ne te lave pas les pieds, alors tu n'as pas de part avec moi. Seigneur, nous sommes tes serviteurs, mais si tu insistes... Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Thomas? Maître, moi aussi. Oui, toi aussi. Je vais laver les pieds de chacun d'entre vous. Cependant, voici que la main qui me livre est avec moi sur la table. Qui? Seigneur, qui est-ce? Malheur à lui. Mieux eût valu à cet homme-là de ne pas naître. Mais qui va le trahir? Serait-ce moi, maître? Pourrait le trahir? C'est pas possible. Serait-ce moi, Seigneur? Ce que tu fais, fais-le vite. Mes frères, c'est pour peu de temps que je suis encore avec vous. Et là où je vais, vous ne pouvez venir. Hein? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes tous mes disciples. Mangez. Ceci est mon corps. Buvez, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui va être répandu pour une multitude. Heureux celui qui meurt pour ses amis. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi, pour que vous alliez et portiez du fruit et que votre fruit demeure. Si le monde vous hait, sachez que moi, il m'a pris en haine avant vous, ainsi que le Père qui m'a envoyé. Celui qui veut me tuer pense qu'il honore Dieu en le faisant. Je vous dis cela pour que votre foi soit forte. Vous serez triste, mais votre tristesse se changera en joie. À présent, je quitte le monde et je vais vers le Père. Je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit parfaite. Complete. Crois-tu à présent, Jean? Vous croyez à présent? Oui, Jésus, nous croyons. Si vous croyez et aimez, ce que vous feront ceux qui vous haïssent n'a aucune importance. On vous dispersera. On vous exclura des synagogues. On vous persécutera. Mais croyez fermement en moi, car j'ai vaincu le monde. Je vous dis ces choses pour que vous soyez en paix.
peur ce soir, Pierre ? Jésus, les brebis seront dispersées, mais nous ne t'abandonnerons jamais. Je le sais, Pierre. Tu m'aimes. Toi, aujourd'hui, cette nuit, avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. Mais que dis-tu, maître ? Dussé-je mourir avec toi ? Je ne te renierai pas. L'heure est venue, Pierre. Pierre, viens. Viens avec moi. Et venez, vous aussi, Jacques et Jean. Mon âme est triste à en mourir. Restez ici. Demeurez ici et veillez. Père. Tout est possible, si tu le veux. Éloigne de moi cette coupe. Pourtant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne, qui se fasse. Alors ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller une heure avec moi. Oui, maître. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Père, que ta volonté soit faite. Ta volonté. Trahi par Judas l'Iscariote, ce soir-là, Jésus est arrêté et conduit chez le souverain sacrificateur Caïphe, auprès duquel sont réunis les scribes et les anciens et tous les membres du Sanhédrin qui s'apprêtent à le juger. Pierre est bouleversé et il a peur. Il suit Jésus de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, entre et s'assit avec les gardes pour voir comment cela va finir. Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Tu te trompes, femme. Je ne le connais pas. Attention. Caïphis, le grand prêtre t'attend. Il est prêt à tout. Il veut une punition exemplaire. Qu'il ne s'inquiète pas, nous la lui donnerons. Ne veux-tu pas boire avec nous ? Je n'ai pas envie de boire. Tu as l'air triste. Tu te fais du souci pour ton maître, n'est-ce pas ? Les amis, venez par ici. C'est un des mendiants qui suit le Nazaréen partout. Tu es saoul. Tu ne sais pas ce que tu dis. Toi ! Que me veux-tu ? Mondez ! Voilà ton dé. Tu n'es pas d'ici, n'est-ce pas ? Tu es de Galilée, pas vrai ? T'es un disciple de Jésus ? De quoi est-ce que tu parles ? Hein ? Avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. Faites entrer les témoins. Il en a guéri beaucoup parmi les pauvres. C'est un homme de Dieu. C'est surtout un homme dangereux. Jusqu'à présent, les témoins ont accusé le prisonnier d'avoir mangé en compagnie de pécheurs notables. Mais ce n'est pas tout. Écoutons ce que Matthieu le pharisien a à dire. Laissez-vous cet homme. Oui, c'est Jésus de Nazareth. De quoi l'accusez-vous ? Il a perverti l'esprit de mon frère. Mon frère, un jeune homme inexpérimenté, alla un jour le voir. Lui, ce rabbi, afin de savoir ce qu'il devait faire pour avoir la vie éternelle. Savez-vous ce qu'il lui a répondu ?
Abandonne ton père et ta mère. Donne ce que tu possèdes aux pauvres. Il lui a dit d'abandonner son père et sa mère. Pourtant, il est écrit, tu honoreras ton père et ta mère. Mais on ne peut pas le condamner pour ça. Nombreux sont ceux qui ont été convaincus de quitter leur foyer ou leur emploi afin de suivre ce faux prophète sur les routes comme de vulgaires vagabonds. As-tu quelque chose à ajouter? Eh bien, cet homme a demandé à mon frère de vendre tous ses biens, ses moutons, ses serviteurs, tout ce qui a fait notre pouvoir. Que devait-il faire avec l'argent? Réponds. Que devait-il faire du produit de toutes ces ventes? Il lui a dit de tout donner aux pauvres, à ses amis. Ce Nazaréen est venu à Jérusalem uniquement pour créer de l'agitation. Quant à toi, Nazaréen, qu'as-tu à dire pour ta défense? Comment justifies-tu tes actes? J'ai toujours discuté ouvertement avec tous, dans les synagogues et dans les temples. Pourquoi m'interroges-tu? Demande à ceux qui m'ont entendu. Si j'ai parlé injustement, dis-moi en quoi j'ai été injuste. Mais si j'ai dit la vérité, pourquoi me frappes-tu? Oh. L'issue de ce procès était déjà connue avant même son commencement. Je sais, Joseph, tout le monde le sait. Le Sanhédrin a peur de lui, peur qu'il ne dresse le peuple contre son autorité. Les faits me semblent clairs jusqu'à présent. Ce n'est pas suffisant pour condamner un homme juste, ce n'est pas suffisant. Des témoins l'ont vu ne respectant pas le sabbat sacré et défendant une femme adultère. Il laisse les foules l'acclamer comme s'il était un roi. Il évoque un nouveau royaume et énonce les règles d'une nouvelle loi. Mais nous disposons déjà d'une loi. Et il s'agit de la loi de Moïse. Saül, il y a d'autres témoins? Faites entrer d'autres témoins! Les fils d'Israël que voici ont entendu l'accusé prononcer des paroles terribles contre le temple. Ils disent que c'est un blasphémateur. Pouvons-nous faire confiance à ces hommes? Nous avons passé des jours entiers à chercher des témoignages contre lui, et nous n'en avons trouvé aucun. Et les affirmations de ces deux s'y concordent. Au moins, nous en avons deux qui coïncident. Donc, vous avez entendu l'accusé parler du temple. Quelles ont été ses paroles? Ce que j'ai à dire, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Que je sois frappé par la foudre si je profère le moindre mensonge. Cet homme m'a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Il l'a dit, j'étais présent. C'est vrai, il a dit, je détruirai ce temple. Ensuite, il a dit, ce temple a été bâti par la main de l'homme. J'en construirai un autre sans son aide. Coupable ! Coupable ! Coupable ! Nazaréen. N'as-tu rien à répondre aux accusations de ces hommes? Réponds, ou sinon, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Messie. Voilà ce que je veux savoir. Alors, es-tu le Messie, le Fils du Très-Haut, le Fils de Dieu? Tu l'as dit. Je le suis, c'est moi. Si je vous le dis, vous ne le croirez point. Et si maintenant je vous interroge à ce sujet, vous ne répondrez point. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant. Donc tu l'admets! Tu affirmes que tu es le Fils de Dieu! Tu l'as dit, c'est toi-même qui l'as dit. Je le suis. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous êtes témoins de ce qu'il a dit. Nous l'avons tous entendu blasphémer. Il ne nous faut rien de plus pour le condamner. Oh. Qu'en pensez-vous? Rendez votre jugement. Il mérite la peine de mort. Conduisez-le chez Pilate. Je l'ai renié.
Tu comprends? J'ai eu peur. Que comptes-tu faire? Te laisser arrêter aussi? Je n'ai pas perdu espoir. Nous avons des amis, des membres du Sanhédrin qui nous respectent. Et puis, il y a une loi à suivre. Ils ne peuvent pas condamner un innocent. Je l'ai renié. Je n'arrive pas à y croire. Je l'ai renié. Nous l'avons capturé sans manifestation ni soulèvement, comme nous le souhaitions. Oui, vous l'avez capturé. Je vous ai laissé le capturer. Je l'ai trahi pour vous. J'ai trahi mon maître. J'ai vendu le sang d'un innocent. Tu as été plutôt bien payé pour ce service. Pourquoi viens-tu te plaindre? Tu parles de tes 30 deniers. Reprends-les. Ah! Donc, tu es le roi des Juifs. C'est toi qui le dis. C'est pour cette raison qu'ils veulent ta mise à mort? Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Mais mon royaume... mon royaume n'est pas d'ici. Il n'a pas de garde, pas de soldats, et pas d'espions. C'est un prophète. Il explique les Écritures au peuple. Le Sanhédrin craint qu'il ne monte la population contre son autorité. Donc tu l'admets. Tu es roi, mais d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Tu le dis. Voici pourquoi je suis né. Et voici pourquoi je suis venu dans le monde. Quiconque aime la vérité, écoute ma voix. La vérité, quelle est la vérité? Eh bien, noble Caïphe, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Est-ce là le geste d'amitié et de protection que Rome nous a promis? Comment pouvez-vous affirmer qu'il est innocent? Cela fait des années qu'il soulève le peuple en enseignant. De la Galilée à la Judée, il se déclare roi. Pilate, ayant appris que Jésus relève de l'autorité d'Hérode, il le renvoie à Hérode, qui se trouve aussi à Jérusalem en ces jours-là, afin que ce soit lui qui évalue les accusations des sacrificateurs et des scribes. Hérode interroge Jésus assez longuement, mais Jésus ne lui répond rien. Hérode, avec ses gardes, le traite avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoie à Pilate. Il ne prononce contre lui aucune condamnation. Demande qui ça peut être. Je le sais. C'est Judas l'Iscariote, un des disciples du Nazaréen. On dit que c'est lui qui a trahi le maître. Quelle façon de mourir! Vous m'avez amené cet homme comme entraînant le peuple à la révolte. Je l'ai interrogé et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des fautes dont vous l'accusez. Même Hérode ne le trouve pas coupable. Il le renvoie chez moi. Voici ma décision. Cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Oui, il sera puni. Mais ensuite, je le relâcherai. Ce n'est pas la raison pour laquelle nous te l'avons amené. Le Sanhédrin a déjà débattu de ses crimes et a déjà prononcé un jugement le condamnant. Les cœurs sont amers. Le peuple de Jérusalem aime Jésus. Tous ceux qui l'ont rencontré, de la Galilée à la Judée, tous aiment Jésus. Tous l'ont béni. Ils l'ont vu. Le peuple aime Jésus et le suit. Eux, le peuple ne les aime pas et n'est pas prêt à les suivre. Voici Barabbas. Il a pris part à une révolte et il a tué un homme. Vous connaissez bien cet homme. À l'occasion des fêtes de Pâques, il est de tradition de libérer un prisonnier. Vous savez cela. Je m'en remets à votre sens de la justice. Qui voulez-vous que je libère cette année, Barabbas ou Jésus le Messie? Barabbas! Barabbas! Pilate sait bien qu'il haïsse Jésus. Il ne veut pas les décevoir.
Que dois-je faire alors de Jésus, celui qu'on appelle le Messie ? Je ne suis pas responsable du sang de cet homme. Je m'en lave les mains. Portez la poutre. Qui est-il ? Avant, tu sauvais les autres, sauve-toi toi-même à présent! Ça appartient au Nazaréen. Celui qui tire le numéro le plus grand la gagne. Oui, d'accord. D'accord. Seigneur, les Écritures sont en train de s'accomplir. Car il était écrit, ils se sont partagés mes vêtements et tirés au sort ma robe. Voilà ce qu'ont fait les soldats. Oh, Père, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu es le Christ. Tu es le Messie, n'est-ce pas ? Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. Tais-toi un peu. Ne crains-tu pas le Seigneur ? Ah. Notre exécution est justifié, car nous avons commis des crimes. Mais lui n'a rien fait de mal. Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Ah. Et pourtant, il nous l'a dit. Il a dit, je retournerai vers celui qui m'a envoyé. Il nous a tout expliqué, mais nous ne l'avons pas compris. Jean, je veux m'approcher de lui. Je veux entendre sa respiration. Halte là, j'ai dit ! Laisse-la passer, c'est sa mère. Élie ? Non, il a adressé une prière.
Oui, cet homme était le fils de Dieu. Il faut partir à présent. Non, jamais je ne le laisserai. Jamais, jamais je ne l'abandonnerai. Y a-t-il encore ? Jésus de Nazareth était un homme juste, vous l'avez dit. Vous saviez que personne n'avait rien à craindre de lui. Et c'est pour cette raison que tes amis l'ont crucifié. Je me suis lavé les mains de tout ce sang. Illustre Pilate, ceux dont tu parles sont mes compatriotes, pas mes amis. En fait, je suis venu te réclamer son corps, pour l'enterrer selon les rites de notre peuple. Est-il mort ? Oui, à 3 heures de l'après-midi. Très bien. Prenez son corps. Il est à vous. Marie, il faut partir maintenant. Après le sabbat, nous reviendrons. Nous apporterons d'autres parfums et d'autres épices. Il faut fuir Jérusalem, sinon ils vont nous trouver et nous tuer. Non. Attendons encore un peu. Nous devons rester. Car le maître nous a promis quelque chose. Oh non ! Un tremblement de terre ! Ah ! Elle chauffe qui peut ! Filons d'ici ! Ouais ! Que se passe-t-il ?
Le tombeau est ouvert. Et je l'enlèverai. Veux-tu de l'argent? Marie. Hein? Oh, mon maître, c'est toi? Maintenant que tu m'as vu, va. Va dire à mes frères que je suis ressuscité. Qui est là? C'est Marie. Ouvre-moi. Le maître est ressuscité. J'ai vu le maître, je l'ai vu de mes propres yeux. C'est Marie, vrai? C'est la peine qui te fait radoter. Jésus est mort et enterré. Vous ne me croyez pas? Vous ne me croyez pas, mais je l'ai vu. Et il m'a parlé. Marie, que t'a-t-il dit? Va leur dire que j'ai ressuscité. Voilà ce qu'il m'a dit. Je détruirai ce temple et le reconstruirai 3 jours après. Il a dit beaucoup de choses que nous n'avons pas comprises. Il faut que je sache. Je viens avec toi. Je ressusciterai. C'est ce qu'il a dit. Il cherche où le corps de Jésus a été caché. Où sont ses disciples? Je ne sais pas, il les cherche aussi. Nous avons pu fuir. Ils doivent être à notre recherche. S'ils t'avaient attrapé, ils t'auraient mis en prison et ils t'auraient battu pour que tu leur dises où est le corps de Jésus. Je crois qu'il est ressuscité. Demain, je rentre à Jérusalem pour l'attendre. Et si quelqu'un me demande si je le connais, je lui répondrai « Bien sûr que je connais Jésus. Je suis un de ses disciples. » Juniper, que se passe-t-il? Calme-toi! Quelle mouche t'a piqué? Allez, avance! Nous n'avons pas de temps à perdre! Joshua, comment aurais-tu réagi si tu avais trouvé le tombeau ouvert? Je me serais dit qu'ils étaient venus voler le corps. C'est ce qu'ils disent tous. Et moi, je t'ai dit que personne ne l'a volé. Où est-il alors? J'avoue que je n'y comprends rien. La femme dit qu'il est ressuscité. Je ne le crois pas. Ami, de quoi parlez-vous? Nous parlons de ce qui s'est passé à Jérusalem. Cela concerne Jésus le Nazaréen, qui s'est montré un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le monde. Mais pourquoi parlez-vous de lui au passé? Parce que nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré aux Romains pour qu'ils le condamnent à mort et le crucifient. Nous espérions, nous, qu'il était le Messie et que c'était lui qui allait délivrer Israël. Voilà le 3e jour depuis que ces choses sont arrivées. Nous étions ses disciples. Mais maintenant, nous devons fuir. Vous avez l'air affolé. Tes femmes sont allées jusqu'à son tombeau. Il était vide. Elles ont eu la vision d'anges qui le disent vivant. Et vous, mes amis, êtes-vous allés voir le tombeau vide? Non, nous n'y sommes pas allés. Cœur sans intelligence.
lent à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances ? Comme un agneau sur le point d'être sacrifié pour entrer dans sa gloire. C'était lui, c'était le maître. Dépêche-toi, il faut le retrouver. Il n'est plus là. Nous aurions dû le reconnaître quand il citait les Écritures. Il est revenu, comme il l'a dit. Il a rompu le pain, comme quand il était avec nous. C'est là que nous l'avons reconnu. Et tout à coup, il a disparu. Il est ressuscité, c'est vrai, il est ressuscité. Où est Thomas ? S'il était là, il dirait que vous étiez ivre. Il se tromperait. Nous n'avions pas bu une seule goutte d'alcool. Mais qu'allez-vous faire maintenant ? Nous restons avec vous à Jérusalem. Notre Seigneur va revenir. Juniper a l'air nerveuse. Les gardes, ils reviennent. Silence. Maître, c'est toi ? Pourquoi tout ce trouble ? Et pourquoi des doutes montent-ils en votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds. Regardez, un esprit n'a ni chair ni os. Telles sont bien les paroles que je vous ai dites quand j'étais avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et qu'en son nom, le repentir en vue de la rémission des péchés serait proclamé à toutes les nations du monde. Nous étions éblouis. La lumière était si forte, on n'y voyait rien. Et d'où venait une lumière si forte ? C'était peut-être un miracle. De toute façon, vous êtes complices de ceux qui ont volé le corps de Jésus. Ils l'ont volé sous votre nez. Nous n'avons vu personne. Ce qui s'est passé ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est l'histoire que vous allez raconter. Ce qui s'est passé ? Les disciples du Nazaréen sont venus pendant la nuit et ont volé son corps alors que vous dormiez. Voilà ce qui s'est passé. Ce n'est pas vrai. Nous devions garder le tombeau, et c'est ce que nous avons fait. Thomas, entre. Pourquoi essayer de me convaincre ? J'aime Jésus, mais je refuse de croire à une histoire aussi absurde. J'aimerais vous croire, mais je ne le peux pas. Je ne le pourrai jamais. Je vous le répète, je refuse de croire à cette histoire. Personne ne peut ressusciter d'entre les morts. Ah ! Ah ! Maître. Paix à vous. Thomas. Maître, c'est toi. Porte ton doigt ici, vois mes mains. Avance ta main. Mets-la dans mon côté. Et ne deviens pas incrédule, mais deviens croyant. Ah ! Mon Seigneur et mon Dieu. Oui, c'est toi. Thomas, c'est parce que tu me vois que tu crois en moi. En vérité, je te le dis, heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru en moi. Maître, que va-t-il se passer ? Je vous précéderai en Galilée. C'est là que nous nous reverrons.
Les enfants, avez-vous du poisson pour manger? Non, la pêche n'a pas été bonne. Lancez le filet à droite du bateau et vous trouverez. Dépêchez-vous, aidez-moi! Oh. Oh, c'est le Seigneur! Déjeunez avec moi. Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Seigneur, tu sais tout sur tout. Tu sais bien que je t'aime. Paix mes brebis. Ami, comme mon père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie. Allez donc de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et sachez que je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. Homme de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Celui qui vous a été enlevé, ce même Jésus, viendra comme cela, de la même manière dont vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. »